Très bien. Bon, d'abord, je vous parlerai un petit peu en français et puis je vais prêcher en anglais. Depuis quelques années maintenant, je connais la langue française, mais j'avais oublié pas mal de vocabulaire depuis 20 ans. Ma femme et moi, ma femme c'est Judy, donc nous étions missionnaires en France il y a 27 ans. Donc nous sommes retournés de la France aux États-Unis il y a 22 ans. Depuis ce moment, on ne parlait pas le français. Donc, il y a 3 mois, nous avons déménagé à Montréal et nous sommes très, très contents d'être ici. Et bon, bah, avec cela, donc, je vais parler en anglais. Donc, good. Awesome. First, thank you, Tony, for the invitation to be with you today. Donc, merci Tony pour l'invitation d'être parmi vous ce matin. And thank you to the church. Et merci à l'église. It's wonderful to come together for a meal and especially for the Lord's Supper. Et c'est fantastique d'être ensemble pour un repas et surtout pour le repas du Seigneur. And as I said 3 months ago, my wife and I moved to Montreal. Donc, comme je disais, il y a 3 mois, nous avons déménagé à Montréal. And we have really fallen in love with the city. Et nous sommes tombés en amour avec la ville. And with the people. Et avec le monde. With the culture. Avec la culture. Even the accent québécois. Même avec l'accent québécois. It's a little bit different than French in Paris. Et un peu différent du français que l'on parle à Paris. And we've been thrilled. We went downtown last few days to take part of in the jazz festival. Donc nous sommes heureux d'avoir pouvoir participer au festival de jazz au centre-ville de Montréal. My wife and I both played in jazz bands when we were younger. Mon épouse et moi on jouait dans des groupements de jazz quand on était plus jeunes. I played the alto sax. Je jouais le saxophone alto. And my wife played the tenor saxophone. Et mon épouse jouait l'autre saxophone. And that's a long time ago. Ça, il y a très longtemps de cela. Her jazz band was invited to play on a cruise ship. Et son groupe de jazz a été invité même à jouer dans une croisière. I was second chair. Et moi, j'étais seulement la deuxième chaise. Some of you know what that means. Vous savez ce que les musiciens savent ce que ça veut dire. I wasn't the best. J'étais pas le meilleur. Some years ago, I read a book. Il y a quelques années, j'ai lu un livre. That's all I wanted to say. I just read a book. No. Juste lu un livre, c'est la seule chose que je voulais dire. I read a book about a running back for the Chicago Bears. J'ai lu un livre sur un arrière-corps de l'équipe de football des Bears de Chicago. His name was Gale Sayers. Et son nom était Gale Sayers. The book was entitled I Am Third. Et le livre était intitulé Je suis le troisième. Donc Jesus first. Jésus le premier. Others second. Autre le deuxième. And I am third. Et moi je suis le troisième. A few years ago, il y a quelques années, someone started a series of interviews. Quelqu'un a commencé une série d'entrevues. With prominent athletes and movie stars and famous people. Et avec des athlètes très populaires, artistes de télévision et du monde très fameux. And it was their opportunity to give a testimony of their faith in Jesus. Et c'était leur opportunité de donner un témoignage de leur foi en Jésus-Christ. And this series of interviews was entitled I Am Second. Et dans la série d'entrevues, c'était intitulé « Je suis le deuxième ». Very good interviews, by the way. Des très bonnes entrevues en passant. Same principle, God first. Donc, les mêmes principes, Dieu premier lieu. I don't know what happened to the others. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec les autres. But I'm second. Mais moi, je suis deuxième. I think we're moving up in the world. Je crois qu'on est en train de monter les échelons dans le monde. Nobody wants to be second chair. Personne ne veut être la deuxième chaise. Nobody wants to play second fiddle. Personne ne veut jouer le deuxième violon. Let me introduce you to John. Je vais vous présenter à l'apôtre Jean. In the third chapter of the Gospel of John. Dans le troisième chapitre de Jean. This John was not the author of the Gospel, but John the Baptist. Je ne parle pas de l'auteur de Jean. On ne va pas parler de l'auteur, mais plutôt de Jean le Baptiste. John was doing a great work. Jean est en train de faire un travail fantastique. He was really a prophet. C'était vraiment un prophète. He was preparing people for the coming of the Messiah. Il préparait les gens pour la venue du Messie. He had a following.
il avait du monde qui le suivait. He had his own disciples. Il avait ses propres disciples. He was the most popular teaching rabbi of his day. C'était le prophète et enseignant le plus connu de son époque. Everybody was coming to him as he baptized in the Jordan River. Et tous venaient à lui lorsqu'il baptisait dans le Jourdain. Then, ensuite, the Messiah came. Le Messie s'est présenté. And everybody left John and followed the Messiah. Et tout le monde a quitté Jean pour suivre le Messie. I'm going to read in John chapter 3, beginning in verse 22. Je vais lire dans Jean chapitre 3 à partir du verset 22. After these things, Jesus and his disciples came into the land of Judea, and there he was spending time with them and baptizing. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit à Judée. Il séjourna avec eux et il baptisait. John also was baptizing in Anan near Salim, because there was much water there, and people were coming and were being baptized. Jean aussi baptisait à Enon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau, et on s'y rendait pour être baptisé. For John had not yet been thrown into prison. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Therefore, there arose a discussion on the part of John's disciples with the Jewish man about purification. Or, une discussion surgit entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. And they came to John and said to him, Rabbi, he who was with you beyond the Jordan, to whom you have testified, behold, he is baptizing, and all are coming to him. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont vers lui. John answered and said, A man can receive nothing unless it has been given him from heaven. Et Jean répondit, Un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. You yourselves are my witnesses that I said, I am not the Christ, and I have been sent ahead of him. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. He who has the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly because of the bridegroom's voice. So this joy of mine has been made full. Verset 29 dit, « Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. » He must increase, but I must decrease. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. This was really a potential crisis of identity for John. C'était vraiment une crise potentielle, une crise d'existentielle d'identité de Jean le Baptiste. And from this we can learn quite a bit about ourselves and quite a bit about Jesus. Et à partir de ceci on peut apprendre beaucoup de nous-mêmes mais aussi de Jésus. I want to give you some words this morning that describe or that ought to describe a follower of Jesus. Et aujourd'hui, je vais partager quelques mots qui devraient décrire les disciples de Jésus. And just to help you remember them, every word starts with a D. Et pour aider à mémoriser ces mots, chaque mot commence par la lettre D. The first is direction. Et le premier mot, c'est direction. Those followers of John came to him and said, "All now are going to Jesus." There is a direction. They are going to Jesus. Et on est venu voir Jean. On disait tous ceux qui étaient avec toi maintenant vont ou suivent Jésus. Ils vont vers Jésus. What that tells us about ourselves. Ce que cela veut nous dire. Is that we ought to point our lives in the direction of Jesus. C'est qu'on nos vies devraient pointer en direction de Jésus. That speaks about our life purpose. Et ça parle aussi de notre objectif de vie. Not only are we to follow Jesus. Non seulement nous devons suivre Jésus, but help others to follow Jesus. Mais aussi aider d'autres à suivre Jésus. That's direction. Cela est direction. The second word is dependent. Le deuxième mot est dépendance. In verse 27, we find that it says that I can't do anything unless it is given from heaven. Et dans le verset 27, on peut voir que c'est écrit que je ne peux rien faire si ça ne m'est donné du ciel. John was doing that which God gave him to do. Et Jean est en train de faire ce que Dieu lui avait donné de faire. And really it was for a very short duration of time. Et vraiment c'était pour une courte période de temps. He prepared
people's hearts for Jesus. Il préparait le cœur du monde pour Jésus. And when Jesus arrived, et quand Jésus est arrivé, he faded from the scene. Il a commencé à s'effacer de la scène. He really was second chair. Vraiment, il était la deuxième chaise. It was never about John. C'était, ça n'avait jamais rien à voir avec Jean. It was always about Jesus. Ça a toujours été à propos de Jésus. Dependent. Dépendance. We can do nothing but that which God gives us to do. Je ne peux rien faire sans ce que ça ne provienne du ciel. The third word is delegated. Le troisième mot, c'est délégué. John says, I have been sent. Et Jean dit, j'ai été envoyé. That tells me that John knew his place. Non, ça me dit que Jean connaissait sa position. In fact, John said, I am not the Christ. Et même Jean disait, je ne suis pas le Christ. There were people who thought that perhaps he was. Et plusieurs pensaient que peut-être c'était lui le Messie. Understand the context. Il faut comprendre le contexte. The last prophet of the Old Testament, Malachi, le dernier prophète de l'Ancien Testament qui était Malachie, spoke of the coming of the Messiah. Parlait de la venue du Messie. And that was some 400 years before the Messiah came. Et ça, c'était 400 ans avant que le Messie n'ait apparu. If you can imagine in the history of Old Testament Israel. Et si tu peux t'imaginer l'histoire de l'Ancien Testament, l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament. God spoke through prophet and priest and kings. Et Dieu parlait à travers des prophètes, des prêtres et des rois. And then for 400 years. Et à ce moment-là, pendant 400 ans. God was silent. Dieu a été silencieux. God wasn't speaking anymore through prophets. Dieu ne parlait plus à travers les prophètes. Malachi said the Messiah is coming. Malachie disait le Messie s'en vient. And for 400 years, not another word from God. Et pendant 400 ans, plus aucun mot du ciel. Until John began to preach. Jusqu'à ce que Jean commence à prêcher. And call people to be baptized. Et il appelait le monde à être baptisé. As a mark of repentance. Comme un signe, comme un symbole de repentance. So God was speaking again. Donc Dieu recommençait à parler. God was at work again. Dieu œuvrait encore. And the people thought that perhaps this was the Messiah. Et plusieurs pensaient que peut-être c'était le Messie. But John said, "No, I'm not the Messiah." Mais Jean a dit non, je ne suis pas le Messie. I'm not the Christ. Je ne suis pas le Christ. I'm his delegated servant. Je suis son serviteur délégué. John's message was this, and we find it in John chapter 1. Et le message de Jean, on le trouve dans Jean chapitre 1. He pointed to Jesus one day near the Jordan River. Il pointe vers Jésus proche du Jourdain. And he said, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. The fourth word is devoted. Le quatrième mot est dévotion. And I love this picture. Et j'aime cette image. Because John talked about being the friend of the bridegroom. Parce que Jean parle d'être l'époux, l'ami de l'époux, de l'époux. My wife and I attended a wedding yesterday. Hier, mon épouse et moi, nous avons assisté à un mariage. It was a wonderful experience with a young man and his fiancée. So much in love. C'est une belle expérience pour ce jeune homme et sa fiancée. C'est une belle expérience. And as the cortège came in. Et quand le cortège est rentré. The friends of the bridegroom. Donc l'ami de l'épouse. There are three young men. Les amis de l'époux étaient trois jeunes hommes. And they danced down the aisle. Ils ont dansé quand ils ont rentré au milieu de l'allée. The friends of the bride. Et les amis de l'épouse. Were very proper and walked. Ils marchaient très de façon très honorée. But the friends of the bridegroom. Mais les amis de l'époux. They danced. Eux, ils ont dansé. There's something about being the friend of the bridegroom. Il y a quelque chose à être un ami de l'époux. And this was the devotion of John. Ça, c'était la dévotion de Jean. He said, "I'm not the bridegroom. The je ne bride suis pas l'époux. Is not mine. L'épouse n'est pas à moi. I am the friend of the bridegroom. Je suis l'ami de l'époux." And I love that image. Et j'aime cette image. What a great privilege it is for us. Quel grand privilège pour nous. To be a friend. D'être un ami de Jésus. He is the bridegroom. C'est lui l'époux. The church is his bride. Et l'église est son épouse. And we have the privilege of knowing him. Et nous avons le privilège de le connaître. What a privilege it is to come together and sing in French and to sing in English. Et quel privilège. Et quel privilège de venir et de chanter en anglais et en français et de louer Dieu. The next word is diminishing. Et le prochain mot est diminuer. Diminuer.
as I drop my notes. Notice what John said in verse 30. Regardez ce que Jean a dit dans le verset 30. He said, I must decrease. Il a dit, il faut que je diminue. John was really behind the scenes. Et Jean était vraiment derrière les scènes. Even if for a season he was on the front line. Même si pour une saison, Jean était à la tête. But he knew his place. Il connaissait sa place. In everything we do. Et dans tout ce que nous faisons. We need to take this as our motto. Nous devons prendre ceci comme notre motto. I must decrease. Je dois diminuer. And Jesus must increase. Et Jésus doit grandir. That's how Jesus is magnified in our lives. Et c'est comme ça Jésus est magnifié dans nos vies. Not long after this. Et pas trop longtemps après ceci. John was arrested and put into prison. Et Jean le Baptiste a été arrêté et mis en prison. And forgotten there. Et on a oublié de lui. His work was done. Son travail était fini. At one point, he sent his disciples to Jesus and said, "Are you really the Messiah?" Et à un moment donné, même Jean a envoyé ses disciples vers Jésus pour voir et poser la question, "Es-tu vraiment le Messie?" He doubted for a moment because he was thinking if Jesus truly was the Messiah. Et il l'a douté pendant un certain temps pour voir si Jésus était le Messie. Why would he leave me in prison? Et s'il était le Messie, pourquoi il m'a abandonné en prison? Jesus' message back to John. Et le message de retour de Jésus vers Jean. Was, and I summarize here, but he said, "Yes, I am the Messiah. Look at the works that I've done." Et en résumé, il a dit, oui, je suis le Messie. Regarde l'œuvre qui est faite. And we have to wonder about John. Et on doit se poser la question concernant Jean. As he sat there in prison. Alors qu'il était assis en prison. Until that day that they beheaded him. Jusqu'au moment où il a été décapité. And I wonder how many times he remembered. Et je me pose la question, combien de fois il s'est rappelé that he said, he must increase and I must decrease. Qu'il s'est rappelé qu'il a dit, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Another word is declarative. Declare. Et un autre mot, c'est déclarer. He's a witness. C'est un témoin. John said that I'm not the Christ, I am but a witness. Et Jean a même dit, je ne suis pas le Messie, mais je suis un témoin. You know, if we will follow Jesus, vous savez, si on est des disciples ou on suit Jésus, we're in for quite a ride. Nous lançons dans une grande aventure. Jesus told Nathaniel, Jésus a dit à Nathanaël, you will see greater things. Tu vas voir de grandes choses. Can you imagine that? Greater things. Imaginez ça, voir de plus grandes choses. Of all the things that God had done in the Old Testament. Des choses que Dieu avait faites dans l'Ancien Testament. The miracles. Les miracles. The plagues against Egypt. Les plaies contre Égypte. The parting of the Red Sea. Imaginez la séparation de la mer Rouge. The falling down of the walls of the city of Jericho. Alors que les murs de Jéricho ont tombé. The raising of the dead through Elisha and Elijah. La résurrection des morts par Élie et Élisée. And Jesus came and said, "You're going to see greater things." Et Jésus vient, il dit, vous allez voir de plus grandes choses. And that's what John was declaring. Et voici ce que Jean est en train de déclarer. Okay, so we've learned some things about ourselves. What it means to be a follower of Jesus. Bon, on a vu qu'est-ce que ça veut dire d'être disciple de Jésus-Christ. But I want us to also see something about Jesus in these words. Mais je veux aussi qu'on puisse voir quelque chose de Jésus dans les mots que nous venons de parler. Let's go back to that image of the bridegroom. Retournons à l'image de l'époux. John said he has the bride. Jean a dit c'est lui qui a l'épouse. What that tells us. Ce que ça nous dit. Is the church is his. C'est que l'église lui appartient. The church belongs to Jesus. L'église appartient à Jésus. C'est à lui. That's our theology. That's our understanding. C'est notre théologie, c'est notre compréhension. It's his church. C'est son église. And there's glory in that. Et il y a de la gloire dans tout ça. The Bible talks about a love relationship that Jesus has with us. His church. Et la Bible nous parle d'une relation amoureuse que Jésus a avec nous, son Église. You can go to Ephesians chapter 5. Vous pouvez aller dans Éphésiens chapitre 5. And it talks about husbands and wives. Et ça parle de relations entre époux et épouse. And that's an example Paul said of. Yeah, et c'est un exemple que Paul nous a laissé. Of Jesus's love for the church. De l'amour de Jésus pour son Église.
In the book of Revelation, et dans le livre d'Apocalypse, we see this love relationship. Nous voyons cette relation amoureuse. When chapter 2 says that Jesus walks among his church. Quand on voit dans chapitre 2 d'Apocalypse que Jésus marche parmi les églises. We sang a song just a few minutes ago about Jesus walking into the room. Et nous avons chanté une chanson il y a pas longtemps comment Jésus quand Jésus rentre dans une salle. I quit singing and closed my eyes. J'ai arrêté de chanter, j'ai fermé mes yeux. Just to imagine the door opening and Jesus walking into the room. Et juste m'imaginer que j'ai fermé les yeux et que Jésus est rentré dans ce local. And he did. Et il est rentré. He's here. Il est ici. Because he loves his church. Parce qu'il aime son église. He loves his people. Il aime son peuple. The church is his. L'église lui appartient. We also learn here that it's all about Jesus. Et on comprend ici aussi que tout a à voir avec Jésus. John said, "He is above all." Jean a même dit qu'il est au-dessus de tout. It's all about Jesus. C'est tout par rapport à Jésus. Nothing else really matters. Rien d'autre importe. It's all about Jesus. C'est tout par rapport à lui. Again, we see that. This teaches us that every word of God matters. Et ça nous enseigne aussi que toutes les paroles de Dieu sont importantes. I quit reading at verse 30. J'ai arrêté de lire au verset 30. But in verse 34. Mais au verset 34. John says, "For he whom God has sent speaks the words of God." En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Every word of God matters. Toutes les paroles de Dieu sont importantes. My dad was a pastor. Mon père était un pasteur. His father was a pastor. Son père était un pasteur également. The greatest thing that my father ever did for me. Et la plus grande chose que mon père a fait pour moi. Was to teach me to read the word of God. C'est de m'enseigner à lire la parole de Dieu. He discipled me. Il a fait de moi un disciple. He was my mentor. C'était mon mentor. He was my coach. C'était mon coach. He was my Apostle Paul. C'était mon apôtre Paul. He taught me to love the word of God. Il m'a enseigné à aimer la parole de Dieu. And I see here in John. Et je vois ici dans Jean. This understanding that every word that God has spoken matters. Que il faut comprendre que chaque mot qui a été dit par Dieu est important. When was the last time you read the book of Esther in the Old Testament? Quand est-ce la dernière fois que vous avez lu le livre d'Esther dans l'Ancien Testament? We don't read that book as often, do we? On ne le lit pas assez souvent. But every word of God matters. Mais chaque mot de Dieu, chaque parole de Dieu est importante. From Genesis all the way through Revelation. De la Genèse à l'Apocalypse. We need to meditate upon the word of God. Nous devons méditer sur cette parole. Spend time in the word of God. Passer du temps dans cette parole. Again, we see in verse 34 that John mentioned the Holy Spirit. Et on voit aussi dans le verset 34 que Jean mentionne le Saint-Esprit. For he gives the Spirit without measure. Parce que Dieu donne l'Esprit sans mesure. What that teaches us is that with the Spirit it's all or nothing. C'est qu'avec l'Esprit c'est tout ou rien. The Spirit without measure. C'est un esprit sans mesure. You know what we try to do though? Vous savez ce qu'on essaie de faire? We try to control the Holy Spirit. Nous on essaie de contrôler le Saint-Esprit. We want just a little bit of the Holy Spirit. Nous voulons que un peu du Saint-Esprit. But we don't want him to have all of us. Mais on ne veut pas que lui il ait tout de nous. But what the Bible tells us is that we can have all of him. Mais la Bible nous dit qu'on peut avoir tout de lui. He gives the Spirit without measure. Il donne l'Esprit sans mesure. He is sovereign. Il est souverain. What we find in this passage, ce qu'on trouve dans ce passage, as John says, all things have been given into his hand. C'est que toutes choses ont été données entre ses mains. Everything. Tout. Whatever problem you may be facing right now. Peu importe le problème auquel tu fais face maintenant. Whatever worry. La préoccupation que tu as. Whatever weakness. La faiblesse. Maybe you are without hope. Peut-être tu es sans espoir. It may be something that nobody in this room knows about. Peut-être c'est quelque chose que personne dans ce local ne sait. Some temptation that you're facing. Peut-être une tentation à laquelle tu fais face. A trial that you're going through. Peut-être c'est une épreuve par laquelle tu passes. And all things are in God's hand. Et toute chose est entre les mains de Dieu. He knows everything. Il sait tout. He's sovereign. Il est souverain.
quite a passage, isn't it? N'est-ce pas que c'est un beau passage? We learn something about ourselves. Nous apprenons quelque chose de nous-mêmes. Well, we learn something about Jesus. Mais nous apprenons aussi quelque chose de Jésus. And so we have to ask the question. Non, nous devons poser la question. What, how do we apply this? Comment nous appliquons ceci? I think there's several applications. Je crois qu'il y a plusieurs applications. First is find your place in His church. Premièrement, c'est trouver votre place dans son église. You find yourself in the church. Tu te retrouves, toi, tu te trouves dans ton église. In our society today, dans notre société aujourd'hui, there's so many different ways to discover ourselves. Il y a tellement de façons de nous découvrir. But I believe that the only way to truly find ourselves is in the center of His church. Mais je crois que la meilleure façon, la seule façon de pouvoir se trouver ou se retrouver, c'est au centre de son église. Find your place in His church. Trouve ta place dans son église. Another application is spend much time in His word. Une autre application, c'est prends beaucoup de temps dans sa parole. My wife and I have 4 children. Mon épouse et moi, nous avons 4 enfants. Our first son is named Joshua. Notre premier fils qui est Joshua. When I was in seminary, quand j'étais au séminaire, and he was about 2 years old. Il avait environ 2 ans. I was very very busy. J'étais très très occupé. And he wanted me to play ball. Il voulait que je joue à la balle. And at that time, a psychologist in America were talking about quality time. Et à ce moment-là, les psychologues parlaient d'avoir un temps de qualité avec les enfants. My son didn't want quality time. Mon garçon ne voulait pas le temps de qualité. He wanted quantity time. Il voulait de la quantité. He wanted all my time. Il voulait tout mon temps. Sometimes we can think, well, if I can find 15, 20 minutes of quality time with Jesus in the Bible. Des fois, on pense que si je peux trouver 15 ou 20 minutes de temps de qualité avec Jésus dans la Bible, ça suffit. Ça suffit. Mais non. Mais non. God doesn't want just quality time. He wants quantity. Dieu ne veut pas seulement un temps de qualité, mais il veut un temps, il veut de la quantité. He wants us to spend time with Him. Il veut qu'on passe du temps avec lui. In prayer. En prière. In praise, en louange, in studying His word, en étudiant sa parole, in sharing life with each other, en partageant la vie les uns avec les autres, and spend time with Him, et un temps avec lui. Another application is be filled and led by the Spirit. Et une autre application, c'est soit rempli et dirigé par le Saint-Esprit. Can you imagine what your life would be like? Est-ce que tu peux t'imaginer quel type de vie tu aurais? What our life would be like if we really lived as if we had the Spirit without measure. Imaginez la vie qu'on pourrait avoir si on pouvait vivre notre vie ayant un esprit sans mesure. Those promises in Scripture that say nothing is impossible. Donc imaginez ces promesses dans la Bible qui dit rien n'est impossible. Would come true in our lives. Tout ça s'accomplirait dans nos vies. I've come to the understanding as I look back over my life how much I have hindered God. Et maintenant, je réalise avec toute ma vie, mon cheminement, comment j'ai limité Dieu. I've quenched the Spirit. J'ai étouffé l'Esprit. I've grieved the Spirit. J'ai attristé l'Esprit. But the Bible says, by command, be filled with the Spirit. Mais la Bible donne cet ordre, soyez remplis de l'Esprit. And he wants to give the Spirit without measure. Il veut donner l'Esprit sans mesure. I finish by reading verse 36. Je veux finir avec la lecture du verset 36, en lisant le verset 36. He who believes in the Son has eternal life. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. But he who does not obey the Son will not see life. Mais celui qui n'a pas le Fils ne verra pas la vie. But the wrath of God abides on him. Mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. He mentions belief. Ça parle de croire. And obedience. Et d'obéissance. An old hymn in English. Il y a un ancien hymne en anglais. And I'm not going to sing it for you. Je vais pas le chanter pour vous. It's entitled Trust and Obey. C'est un titre. Son titre est très Fais confiance et obéis. And it really says Trust and obey, for there's no other way.
Ça dit, aie confiance et obéis, car il n'y a pas un autre chemin to be happy in Jesus. Que d'être pour être heureux en Jésus. More than anything else, I want each one of you to be happy in Jesus. Plus que toute autre chose, je veux que chacun d'entre vous soyez joyeux, heureux en Jésus. To be full of joy. Soyez remplis de joie. And the Bible says here. Et la Bible dit ici. The way to do that. Et la façon d'en le faire. Is to believe. C'est de croire. And to obey. Et obéir. To follow Jesus. Suivre Jésus. No matter what's in front of you. Peu importe ce qui est devant vous. You set the direction of your life. Tu mets direction à ta vie. Toward Jesus. Vers Jésus. And you follow. Et tu suis. 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 And you just keep on following. Et tu continues à suivre. Let me pray for you. Est-ce qu'on peut prier?